Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture, donc unboxing, d'un colis que j'ai reçu partenariat avec la boutique Bibicraft. Donc c'est une boutique que je ne connaissais pas, mais qui m'a surprise par l'étendue de ses produits. Je vous laisse avec la vidéo. Donc j'ai reçu dans une enveloppe bulle, c'est emballé avec une feuille, une pochette bulle qui est très bien fermée. Voilà. À l'intérieur de laquelle vous avez le petit bon de commande qui récapitule les 5 produits que j'ai achetés. Voilà. Vous avez beaucoup de scotch pour tout maintenir, de façon à ce que rien ne soit perdu. Hop, on va couper là. Voilà. Donc avec un... Bon, c'est du carton de recyclage, hein, mais c'est pas grave, ça. Ça évite que ça se trouve, comment dire, plié, parce que ce sont des kits de dice et de tampons. Donc, ça évite que ce soit plié. Donc, je vais vous faire voir tout ça. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. On est bon. Je vais vous faire voir tout ça. Je vous mettrai les prix en incrustation parce que je n'ai pas encore allumé l'ordinateur. Parce que de toute façon, quand je fais les vidéos, l'ordinateur fait du bruit. Et que je trouve ça plus pratique de ne pas avoir l'ordinateur. Par contre, je laisse le téléphone allumé devant moi parce que Bibicraft, c'est le nom du site. Donc, www.bibicraft.com. Donc, Bibicraft, BEEBEECRAFT.com. C'est une boutique qui est chinoise. Voilà, je ne me le cache pas, mais je voulais tester. Et j'ai vu qu'ils avaient un programme YouTube. Donc, eux, ils l'appellent YouTube Programme. Donc, vous voyez, il n'y a pas de secret. Si vous avez au moins 100 abonnés, ce qui est largement le cas de cette chaîne, vous pouvez faire une demande pour avoir un partenariat avec eux. Ils vous offrent la possibilité d'avoir de prendre des produits, maximum 45 $, maximum 5 articles. Vous êtes quand même limité parce qu'il y a deux catégories, je crois, où on n'a pas le droit de prendre. Je ne me rappelle plus lesquels, mais il y a tout ce qui est emballage, tout ce qui est boîte et compagnie. Et je crois, je suis pas sûre si c'est perles ou quelque chose comme ça. Donc c'est un programme qui est quand même assez intéressant, parce que 45 $, 5 produits, on est bon. Donc moi j'ai pris les 5 produits, mais j'ai pas atteint les 45 $, parce que j'ai vraiment choisi, non pas pour atteindre 45 $, choisir les articles les plus chers, en sachant que les articles que j'ai pris moi, ils étaient en promotion. Donc... j'atteins à peu près, je dirais presque 35 €. Donc 35 €, c'est un petit peu plus en dollars, mais on n'atteint pas les 45 $. Donc je vous fais voir. J'ai d'abord pris un kit de dice. Alors, l'ouverture se fait ici. Qui m'intéresse beaucoup. Parce que dedans, il y a des monuments de pays que j'ai visités et j'aime bien parce que j'ai envie de me servir de ces monuments. Donc vous avez la Statue de la Liberté, le pont de San Francisco, le Colisée à Rome, là je pense que c'est la tour de Pise, là je dirais que je vais m'en servir pour faire la route 66, même si c'est pas forcément pour ça. Là vous avez un volcan, donc je vais m'en servir pour l'Etna. Parce que quand nous sommes allés visiter la Sicile, là, ces petits genres de maisons, ça fait un peu maison comme il y en a certaines au bord du désert en Californie. Voilà, vous avez le petit van avec le surfeur au-dessus. La tour Eiffel, bien sûr. Et ça, Jésus de San Polo. Alors, je n'ai plus le nom de la statue exactement, mais c'est
Je crois que c'est São Paulo. Une immense statue en haut d'une montagne, voilà, avec Jésus qui étend les bras. Et vous avez deux dice qui font les timbres. Alors, je ne pense pas que ce soit la taille pour faire des ATS. Ça fait 4,5 sur 5,5. Alors, attendez. Est-ce que je vais retrouver facilement les dernières que j'ai faites? Alors, j'ai les autocollants que je colle derrière. Donc, on va mesurer ça. Donc là, je suis à 3, non, ça va être un petit peu trop grand, je pense. De toute façon, je vous ferai une vidéo en utilisant ce kit de dice. Parce que là, franchement, il y a vraiment tout. Ici, vous avez également, c'est l'entrée d'un parc, comment dire, japonais. Donc, ceux qui vont au Japon, c'est parfait. Donc, je vous mettrai le prix et le lien, bien sûr, en dessous de la vidéo. Le lien sera dessus. Comme ça, vous cliquerez directement dessus, vous l'aurez directement. Hop, on va passer au suivant. Le suivant, alors j'avais choisi autre chose, et le temps que le partenariat se mette en place, l'article était hors stock, donc j'ai changé, j'ai choisi autre chose qui m'intéressait aussi, même si c'est pas forcément l'époque pour se servir de ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est écrit quoi là? Bimeri. Donc, vous avez la guirlande, là, et une autre guirlande avec les petites. Je ne suis pas dans le champ. Donc, vous avez la guirlande avec les ampoules, et là, vous avez des grosses ampoules. Donc, certaines ampoules sont comme ça, et d'autres avec une étoile. Vous avez un fanion, trois étoiles qui se découpent indépendamment, et vous avez le mot Be Merry. Tous les dice, vous pouvez les découper indépendamment. Il suffit juste d'enlever les petits picots de fer qui les relient. Et après, vous les rangez avec une feuille aimantée. Voilà. Donc ça, pareil, je vous ferai une vidéo pour vous faire voir ce que je fais avec. Je pense que j'essaierai de faire une carte. Mais je sais d'avance que je vais avoir des commentaires me disant ça fait Noël et on n'est pas à la période de Noël. Mais je vais vous le faire quand même pour que vous voyez ce que c'est et pour que vous puissiez voir le rendu de ce dice que moi je trouve magnifique. Pareil, le lien sera en description. Ensuite, c'est un kit avec à l'intérieur. Un ensemble de tampons et un ensemble de dice. Donc, dans une pochette comme ceci. Donc, vous avez. Alors, attendez, je vais enlever la pochette parce que sinon ça va faire de la lumière. Toc. Donc, la marque c'est Global Land. Donc, vous avez le site également Global Land, mais moi, ça m'intéressait ce kit-là. Donc, je n'ai pas été chercher sur le site de Global Land. Donc, le kit, les tampons. Donc, c'est des petits nounours. Donc, ça fait très anniversaire, très bébé, très choupinou. Voilà. Donc, vous avez la montgolfière avec le nounours. Le nounours sur sa balançoire avec des ballons. La petite banderole de fanion, Hello Friend, le nounours avec des bouquets de ballons, le nounours avec pareil un gros bouquet avec des ballons, deux petits papillons, un petit nœud, une petite fleur, Lift Me Up ou You Make Me Smile. Donc, voilà l'ensemble. Et avec, vous avez les dice. Alors, que je dis pas de bêtises, normalement, ça découpe tout. Alors, vous avez pour la montgolfière, celui qui est ici. Attendez, bougez pas. Je vais vous les mettre comme ça.
Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc la montgolfière qui est ici, c'est celui-ci. Ensuite, le nounours là avec son paquet, je pense que c'est celui-ci. Parce qu'il y a le ballon qui est derrière là, qui est ici. Ensuite, le nounours avec la balançoire, c'est celui qui est ici. Le nounours avec le bouquet de ballon, c'est celui qui est à l'intérieur de celui qui fait la montgolfière. La banderole de fanion, elle est ici. Le petit nœud, ici, il est là. Alors, attendez. La petite fleur, ici, elle est ici au milieu. Et vous avez le petit, la petite étiquette ici, qui, je pense, doit pouvoir découper. Ouais, c'est un peu juste quand même. Mais bon, au moins le Hello French, je pense que ça rentre dedans. Ouais, ça rentre. Le List Me Up, il rentre. Et le You Make Me Smile. Oui, vous pouvez découper les trois sentiments avec cette petite étiquette-là. Donc en fait, vous pouvez tout découper avec les dies. C'est vraiment un kit complet. Vous n'avez pas seulement un dice comme faisait de, à une certaine époque Action. Ils font vraiment tout. Donc ça, pareil, je vous mettrai le lien en description, le prix en incrustation. Ensuite, j'ai pris ce kit-là. Donc c'est un kit de dies. Je l'ai pris pour les routes californiennes. Je vous fais voir ça tout de suite. Donc, ce sont des dies. Pareil de la marque Globeland. Et vous avez... Alors, vous pouvez faire plein de choses avec. Hein. Vous avez ici une route en ligne droite. Ici, vous avez une route avec la perspective, vous savez, qui va en rétrécissant. Vous avez des petits sapins tout seuls. Vous avez des aigles, ici. D'autres sapins tout seuls. Et là, vous avez une ligne de perspective avec des sapins et une montagne dans le fond. Voilà. Et ça... Vous pouvez superposer en mettant plusieurs, en le changeant de sens ou en le décalant un petit peu. Donc ça, il y a beaucoup de choses à faire avec. De la même manière, vous aurez le lien dans la barre de description et le prix en incrustation. Et ensuite, j'ai pris un kit d'anneaux comme ça, parce que je n'en avais quasiment plus. Et à l'intérieur, vous avez... Hop. Alors, toc, 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 toc. Donc, vous avez 5 tailles différentes. Je vais commencer par les plus grands. Donc, pareil, ils sont bien séparés, chacun dans son sachet. Et je peux vous dire que ça pèse quand même un certain poids. Donc, c'est des anneaux, hein. Vous espacez, vous écartez. Et c'est fermé, ouvert, fermé. Un peu comme jour-nuit dans les visiteurs. Voilà. Et la taille, il fait 4 cm à l'intérieur. Et donc vous pouvez mettre pas mal de feuilles quand même dedans. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 20, j'en ai 21. Alors attendez, 3, 5, 8, 10, 3, 5, 8, 10, c'est ça, 21. Alors, moi, sur le descriptif, c'était écrit 20. Il y en a 21. Hop. Je vais refermer pour qu'il ne se carapate pas. Ensuite, la taille du dessous. Alors, est-ce que c'est celle-là ou celle-là ? Non, c'est celle-là. La taille du dessous. Donc, on va tout de suite les compter. 1, 2. J'en ai un qui est démonté.
5, 8, 10, 15, 15, 19, et celui-là, 20, et un demi. Donc là, j'en ai 20 et demi. Je vais le garder au cas où, mais je pense pas que je m'en servirai. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai le compte. Donc là, ça fait 3 cm à l'intérieur, et de la même manière, vous voyez, hop. Alors, ils sont un peu raides quand même. Je pense qu'ils ont besoin d'être un peu travaillés. Mais 3 cm. Hop, la taille d'après. Alors, 2, 5, 10, 15 et 20. La taille, les récalcitrants, ça fait 2,5. Donc pareil, hein, hop, on ouvre. On referme. 2,5, il y en a 20 également. Pour le prix, je trouve que c'est quand même, ils sont relativement bien quand même. Je suis pas mais, enfin, je suis satisfaite, on va dire. Hop, les suivants, donc ils sont un peu plus petits. Donc on va les compter. 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 également. Et la taille, 2 cm. Donc ça s'ouvre, ça se referme. Hop, donc là vous mettez beaucoup moins, mais vous pouvez faire un flip tag par exemple. Hop. Et la dernière taille, alors vraiment très petit, c'est vraiment pour accrocher quelque chose avec. C'est pas pour faire un album, bien sûr, parce qu'ils sont vraiment tout petits. Je vais vous donner la taille tout de suite. Ils font intérieur 1,5. Donc c'est vraiment tout petit. Hein. Vous voyez, voilà, c'est la taille de mon petit doigt. Je pourrais m'en servir en bague, remarquez, j'ai pas de bague à mon doigt, à ce doigt-là. Donc, je les compte. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17, il y en a 20. Donc, vous voyez, pour le prix, je trouve qu'on est quand même pas mal. Hop. Et je vais en garder, je pense, 4. Parce que je suis en train de refaire mon nuancier pour mes distress. Et dedans, non, j'ai 2 trous. Et je pense que ça devrait suffire. Parce que j'ai 65 et je vais les remettre. Donc, c'est du papier aquarelle. Et donc, j'ai mis dans des feuilles à pochette comme ça. Donc, il y en a 8 dedans. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est à 64, il m'en manque. 64, dans ce sens, attendez, bougez pas, dans ce sens-là. 64, 66, 68, 70, 71. Donc ça, voilà, comme ceci. Et je vais essayer si cette taille-là sera suffisante. Je pense que oui, j'arrive pas à l'ouvrir. Hop. J'ai pas envie de les mettre dans un classeur. Toc. Hop. Et faut que je arrive à l'ouvrir quand même. C'est là qu'on se rend compte que la motricité fine, c'est quand même pas mal. Hein.
J'ai du mal à me servir de mes doigts encore. Mais bon, crise de fibromyalgie depuis 2 semaines. Donc j'ai super mal aux mains. J'arrive pas à attraper les choses. Donc vous voyez, ça me permet de les avoir tous ensemble. Hop. Et je pense que c'est plus comme ça que je m'en servirai. Pour mettre, faire des nuanciers, faire. Voilà. Pareil pour les feutres et ainsi de suite. Donc, déjà, je pense que ça serait une bonne idée. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tous ces articles. Dites-moi si vous connaissez la boutique Bibicraft, qui, je vous le rappelle, est sur le site www.bibicraft.com, BEEBEECRAFT. Je vous mettrai en barre de description le lien vers la boutique, le lien également vers chacun des articles pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Je vous mettrai également les liens et la description de comment vous pouvez vous également, parce que à partir du moment où vous avez une chaîne avec 100 abonnés, vous pouvez devenir partenaire de Bibicraft. Donc je vous mettrai également le lien pour pouvoir accéder à ce programme de partenariat qui est quand même assez intéressant et qui ne vous oblige pas à grand-chose puisqu'on doit simplement faire une vidéo unboxing du colis qu'on a reçu et ensuite faire 2 vidéos uniquement. Mais vous voyez, avec 5 articles, on a largement de quoi faire de vidéos. Je pense même qu'on en aura plus. Surtout que ce sont des articles qui vont me servir. Et donc, il faut faire simplement 2 vidéos sur les articles qu'on a achetés. On est vraiment, enfin c'est quand même relativement abordable pour beaucoup de personnes. Donc je vous mettrai tout ça dans la barre de description. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à aller voir les articles, voir tous les détails. Moi je vous remettrai également les prix donc en incrustation et tout dans la barre de description. La barre de description, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous allez en dessous de la vidéo, vous avez un lien, enfin vous avez une bande où il y a un petit peu le texte de ce qu'il va y avoir dans la vidéo. Et vous avez soit 3 petits points, soit une flèche. Ça dépend si vous êtes sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Voilà, c'est tout simple. Donc vous cliquez dessus et ça vous ouvre entièrement la barre de description. Vous avez là tous les liens qui s'y trouveront avec la possibilité d'aller voir les articles directement sur leur site et pourquoi pas devenir partenaire de Bibicraft. Pour information, si vous commandez en utilisant le code que je vais vous mettre maintenant en description, enfin en utilisant le code que je vais vous mettre maintenant en incrustation, et je pense que je vais le mettre, il sera depuis le début de la vidéo en incrustation, vous aurez droit à 10% sur la totalité de votre commande, pas seulement sur les articles que vous avez ici, si vous suivez leur lien, c'est sur la totalité de la commande. Donc vous avez 10% de réduction. C'est pas négligeable, 10%, hein. Par exemple là, sur une commande de 35 euros, en sachant que eux, les frais de port sont gratuits à partir de 25 euros, donc déjà, vous payez pas de frais de port. Et sur une commande d'à peu près 35 euros, vous avez 3,50 € avec ce code-là, donc c'est quand même très intéressant. Donc vous l'aurez eu en incrustation, mais je vous le dis à l'oral. Donc le code, c'est positif 10, positif avec un P majuscule, tout le reste en minuscule et 10 en chiffres. Donc pour avoir 10% de réduction sur la totalité de votre commande. Le code de réduction, lui, est valable jusque le 12 mars 2026. Donc vous avez, même si vous voyez cette vidéo dans un an, même si vous la voyez dans presque 2 ans, puisqu'on est un peu plus que le 12, puisque le 12, c'est la date où la commande a été passée. Aujourd'hui, nous sommes le 21. Donc vous avez à peu près presque 2 ans pour utiliser ce code de positif 10 et obtenir 10% sur la totalité de la commande. Les 10%, bien sûr, sont pour vous. Ça ne m'apporte rien à moi, c'est juste une petite astuce pour vous. Et je trouve que c'était sympa de vous la partager. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous avez envie d'acheter des produits, n'hésitez pas à profiter de ce code-là parce que, après tout, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas les 10%. Si vous avez une chaîne YouTube et plus de 100 abonnés, n'hésitez pas à leur faire une demande de partenariat.
Le lien est dans la description, toujours pareil. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.